Africa 99 for six, and they're in the 27th over. Right, we'll have our first update on events here at Loch Lomond, the third round of the Barclays Scottish Open at 1:20, ahead of our first race from Ascot. But it's time for Superbikes now. We've got the British Grand Prix. C'est vrai qu'il est sympa avec les enfants, Lance Armstrong. Johan, juste une petite question. Il y a des recommandations pour Lance? Il ne peut pas donner d'interview? Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il raconterait, vous allez me dire, mais il ne parle pas beaucoup. Très discret, très pro, très froid, très concentré. Bon, je pense que ce que tout le monde doit savoir, c'est que nous, on est ici pour essayer de gagner le Tour de France. On travaille toute l'année en fonction de ça. On commence à travailler depuis le mois de décembre. Et on a un système qui fonctionne bien. Si Lance, il est très sollicité, il doit commencer à donner des interviews à gauche et à droite, il n'a plus de temps de récupération. Il ne viendra pas ce soir. Il ne viendra pas, non. Bon, d'accord, autant qu'on le sache. La récupération, c'est le plus important dans un grand tour. Donc chaque 15 minutes extra de récupération, ça compte. Ouais. Et il faut aussi être tranquille dans la tête. Le stress, il est déjà pendant 5-6 heures sur le vélo. Avant qu'il monte sur le vélo et après quand il descende, il préfère être tranquille. Je sais qu'est-ce que c'est, j'étais coureur, j'étais pas si sollicité que lui, et je le comprends tout à fait. Oui, évidemment, nous aussi en bouche arrière. Bon Lolo, je vous donne les commandes parce que c'est vrai que cette première semaine n'a pas été très difficile parce qu'il n'y a pas de montagne, mais enfin il y avait de la plaine, ça a été vite, il y a eu des chutes. Analyse de la première semaine, on commence tout de suite avec la première étape, l'étape de Montgeron-Meaux. L'étape de Montgeron-Meaux avec un départ devant le réveil matin, c'était historique. C'était le premier départ du tour qui s'était lancé du réveil matin. Et puis un maillot jaune australien, c'était une première, Johan, un Australien qui remporte le prologue. Première étape qui aura été marquée par une échappée fleuve. Et puis, comme les autres, on va dire, on aura vu les deux équipes de routiers sprinters, l'équipe Lotto Domo et l'équipe de Petaki, l'équipe Fassa Bortolo, qui vont prendre la course en main. Oui, je pense que les premières étapes du Tour, on peut déjà un peu écrire le scénario avant le Tour, des étapes de plaine. Les sprinters savent qu'ils n'ont pas beaucoup de chance. Donc ils doivent le faire dans la première semaine. On a vu aujourd'hui la première montagne, Petaki il est là à la maison, Kirsipu il est à la maison. Donc je pense que c'est logique. Et puis bon, ce qu'on retient surtout, c'est la chute massive du final, avec pour nous une frayeur assez importante. Lance et Incapi sont tombés. Les conséquences étaient là, mais bon, ça aurait pu être assez beaucoup pire. Première victoire de Petaki, facile. On revient sur cette chute puisque Hamilton tombe aussi, il se fracture la clavicule et on en parlait tout à l'heure, c'est un des derniers qui peut encore prétendre à inquiéter Lance avec Bellocchi, avec Jan Ullrich. Bah, je suis surpris avec la performance d'Hamilton. Je le connais comme coureur, on l'a eu pendant 3 années dans l'équipe. Et je dois dire que je suis surpris. J'aimerais bien voir les radios quand même parce que une clavicule cassée. Selon Marc Wauters, elle n'est que fêlée. Ouais. On enchaîne parce que nous sommes en direct. La seconde étape, Laurent, La Ferté-Sous-Jouarre, Sedan. Là aussi, il y a des échappées. C'est vrai que le scénario dont Johan parlait se renouvelle. Aucune échappée n'est allée jusqu'au bout, mis à part aujourd'hui. Mais il fallait essayer de toute façon. Oui, il fallait essayer. Et puis je crois qu'on a vu, les jeunes Français très motivés, ils ont fait toutes les échappées et jusqu'à maintenant ça n'a pas été au bout. Après le contre-la-montre par équipe, peut-être un peu plus de chance. Hier ils sont rattrapés à 200 mètres de l'arrivée. Aujourd'hui ça va au bout, donc ça va certainement encore bouger dans les prochains jours. Et là on a vu Frédéric Finot qui aura 18 minutes d'avance. C'est cette fameuse étape, Marc, rappelez-vous, quand Lilian Gégou est renversé par une moto de la télévision. Finot partira et lui aussi sera rattrapé dans les derniers kilomètres avec un sprint sans Petaki. Il y avait une bosse difficile à franchir avant le sprint et c'est Baden-Cook qui va coiffer Jean-Patrick Nazon et Yann Kirsipou sur la ligne à Sedan. Nouvelle victoire australienne et nouvelle victoire de la Française des Jeux à Sedan. Ouais, c'est vrai que là, ils avaient fait très fort en ce début de tour. On va passer tout de suite à la troisième étape parce que, comme Johan l'a dit, le scénario est assez identique. Moi, j'ai juste une question, Johan. On ne voit pas beaucoup les Belges. Ils n'étaient pas nombreux, mais on ne les voit pas beaucoup. On regarde la troisième étape. Johan, c'est vrai, les Belges, que peuvent-ils faire? Écoute, déjà, en nombre, ils ne sont pas nombreux, donc c'est difficile pour se faire voir sur le tour. En plus, dans l'équipe Lotto Domo, je pense que c'est là où il y a le plus de Belges. Et ils doivent rouler pour le sprinter à McEwen. Donc ce qu'on a vu d'eux, c'est surtout du boulot derrière les scènes. Et
Donc je pense quand même que dans les jours après la montagne, on va quand même encore voir les Belges. Et puis l'abandon de Petacchi, c'est vrai qu'il ne faut pas se réjouir du malheur de Petacchi. Il a quand même gagné 4 étapes, mais c'est tout bon pour McEwen, évidemment. Ouais, je pense que c'est bon pour McEwen, c'est bon pour les autres sprinteurs. Petacchi et Kirsi poussent dans la maison. Pour l'équipe Lotto, je pense que c'est une bonne chose. Pour Zabel aussi. Ouais. L'équipe Lotto qui avait terminé dernière du contre-la-montre par équipe, c'est déjà le résumé de la quatrième étape. Et là, mon cher Johan, US Postal Berryflor a fait un numéro, Lolo. On vient de voir Jean-Patrick Nazon avant de parler de l'équipe US Postal Berryflor. Jean-Patrick Nazon qui restera, qui pourra dire toute sa vie qu'il a porté le maillot jaune. C'est un fait quand même, prendre le maillot jaune pour un Français sur un Tour de France, c'est-à-dire que dans les critériums, après le Tour, il va pouvoir, et pendant des années encore, dire j'ai été maillot jaune. Les Banesto, c'était la bonne surprise pour nous, spectateurs neutres, du contre-la-montre. Ouais, bah, je pense que c'est une équipe de jeunes, mais ils ont quand même des rouleurs assez importants. Ils ont Petrov, ils ont Karpets, ils ont Menchov. Ils en ont pas mal, quoi, des rouleurs. Mais ils ont fait quand même une performance. Ça m'a surpris aussi. Onsé, deuxième. Onsé, vous avez bien connu, vous avez passé pas mal d'années là-bas auprès de Manolo Sainz. Vous lui avez volé son truc pour remporter les chronos. C'est ce qu'il dit. Il dit que j'ai copié son système. Je sais pas. C'est quoi son système? Je sais pas s'il y a un système pour le chrono. Ça dépend du parcours. Ça dépend des coureurs que tu as. Donc moi, je pense tout simplement qu'on a bien préparé et on a fait une course parfaite, quoi. J'ai une question. Est-ce qu'on a parlé des tenues de l'équipe US Postal? Est-ce que c'est vrai que vous avez les mêmes maillots que les patineurs de vitesse aux États-Unis? Oui. Donc ça vous permet de gagner du temps. Bah écoute, la technologie est là pour en profiter. Nike nous a fait ce type de vêtements. On a fait beaucoup de travail là-dessus. Depuis cet hiver, on a testé, on a changé. Et puis bon, c'est au plus haut niveau, je pense que tous les détails sont bons pour s'améliorer. Cinquième étape, tout de suite avec 3 Nevers. Et là encore, une nouvelle démonstration de Petacchi. Il vous surprend, Johan Petacchi, sur ce tour. On savait qu'avec ses 6 victoires au Giro, on pouvait l'attendre, mais enfin, à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Moi, je pense qu'il a vraiment une semaine formidable. Comme j'ai lu dans la presse, il ne croyait pas lui-même. C'est sûr que quand on a vu les sprints de Petacchi, une fois qu'il est en route, il n'y a personne qui peut le passer. J'ai pensé à Cipollini, peut-être encore plus fort que Cipollini. Parce que gagner 4 étapes d'affilée sur le Tour de France, c'est quand même un truc formidable. Ça l'agace évidemment, Petacchi, qu'on évoque toujours Cipollini, puisqu'il dit « attendez, il n'est pas là ». C'est une question aussi qu'on pourra poser à Jean-Marie Leblanc. C'est dommage évidemment qu'il n'y ait pas eu de duel. Dès que la dernière étape, enfin celle d'hier, est prête, vous pouvez l'envoyer, puisque le scénario était assez identique avec ce Petacchi, qui râlait systématiquement. Il en a marre d'entendre parler de Cipollini. C'est vrai qu'il y a son orgueil qui est en jeu aussi. Hein, et on connaît l'immensité de l'orgueil des sprinters, Johan. Ouais, je pense que c'est logique, mais bon. Je pense que tout le monde qui connaît un peu le cyclisme, Petacchi, c'est un sprinteur qui est en train de venir, en train de se confirmer. Cipollini, il n'a plus beaucoup d'années devant lui. Je ne sais pas s'il en a encore une. Peut-être qu'il ne roule plus l'année prochaine. C'est sûr que pour l'instant, c'est le meilleur sprinteur des 10 dernières années. Mais Petacchi, il a quand même prouvé dans le Giro qu'il était au-dessus de Cipollini. Et ici, il confirme dans le Tour de France. Donc je pense que maintenant, comme j'ai entendu, il lui reste plus qu'une chose à faire, il va aller à la Vuelta pour essayer de gagner 3-4 étapes, ce serait incroyable. Ça c'est la quatrième victoire de Petacchi, c'était peut-être la plus belle parce qu'il était fatigué, il avait aussi été lâché dans la bosse et il sprint merveilleusement bien. Et ça c'est l'image de la première semaine, c'est Victor Hugo Peña en jaune, un Colombien, premier Colombien en jaune. Premier Colombien en jaune, on avait, après le prologue déjà, on avait parlé le soir dans l'hôtel. Il était le meilleur de notre équipe. J'espérais et je pensais qu'on pouvait gagner le chrono par équipe. Et j'espérais qu'entre-temps, il n'a rien changé au classement général. Donc les 3 premières étapes ont été au sprint. On a gagné le chrono. Premier Colombien en jaune. Le jour après son anniversaire, c'était le rêve, quoi. Mais on espère que le rêve va continuer pour US Postal Berryflor. Johan, un tout grand merci de votre venue. J'espère qu'on pourra vous revoir encore tout au long de ce tour. Ça voudra dire que Lance Armstrong se porte bien. Tout de suite, les archives nous emmènent en Suisse. C'est pas très loin d'ici, avec le duo Kubler-Koblet. Ce sont les deux seuls Suisses qui ont remporté un Tour de France. Pierre Merlet nous le rappelle. Ils se suivent, mais ne se ressemblent pas. Profitant du forfait de Fausto Coppi, Ferdi Kubler donne à la Suisse en 1950 son premier succès dans la Grande Boucle.
Lui succédera l'autre seul vainqueur helvétique du Tour, Hugo Koblet. Il est l'auteur d'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour de France, 140 km en tête entre Brive et Agen. Seul dans la plaine, il résiste avec une aisance déconcertante à la meute lancée à sa poursuite, une meute comprenant notamment Fausto Coppi et Louison Bobet. Le deuxième Suisse à avoir remporté le Tour en 1951 est donc resté célèbre pour son élégance suprême. D'ailleurs, si sa chevauchée fantastique est entrée dans la légende, c'est parce qu'à l'arrivée, on voit le bel Hugo, frais comme une rose, consulter son chronomètre et se donner un coup de peigne avant de recevoir le baiser du vainqueur. Hugo Koblet, le plus gentleman des coureurs, surnommé le pédaleur de charme. Depuis plus de 50 ans, les Suisses attendent son successeur, à commencer par les Suissesses. Laurent, vous qui connaissez mieux Johan que moi, votre avis, il a l'air sûr de lui, à la limite, un peu comme Lens. Hein. Je pense, Marc, qu'aujourd'hui, le fait que Botero ne soit plus là, que Gonzalez ne soit plus là et que Simoni ait perdu du temps comme ça dans l'ascension, ça le ravit quelque part, oui, énormément. Ouais, alors justement, prévision d'étape de demain. Tout de suite, le profil de cette huitième étape, elle est très très importante car très très dure. Salange, oui, Alpe d'Huez, donc il y aura... deux cols de troisième catégorie, un de deuxième, le col du Télégraphe, attention, hors catégorie, le Galibier, à plus ou moins 75 km de l'arrivée. Et puis on termine avec un autre hors catégorie, l'Alpe d'Huez. Vous imaginez, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes et l'Isère, ça risque d'être très 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 dur à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, une étape mythique vraiment du Tour de France. Pierre Marlet s'est rendu là-bas avec une équipe. Il s'est rendu compte aussi que là-bas, les Hollandais, les Néerlandais, eh bien, ils sont très très connus. Pouf. On l'a baptisé la montagne des Hollandais. Manifestement, il en reste quelque chose. Il y a pourtant 14 ans qu'un homme des plats pays ne s'est plus imposé ici. Mais nos voisins du Nord ont la mémoire longue. Ici, Zoutemel, Quinen, qui d'autre encore? Kuiper. Et voilà précisément Joop Zoetemelk qui et Henny Kuiper de retour sur le terrain de leurs exploits. Leur période de gloire a coïncidé avec les débuts de l'histoire d'amour entre l'Alpe d'Huez et le Tour. 1976, une grande année aussi pour le cyclisme belge. Moi je m'appelle à 76, quand René Pépi le maillot jaune, moi, il était mieux placé. Bon, c'est lui qui a pris le maillot jaune, moi j'ai gagné l'étape, ça c'est un bon souvenir. Après Kuiper et Zoetemelk, Steven Rooks, Peter Wynen et Gert Jan Tennis ont également figuré au prestigieux palmarès des vainqueurs de l'Alpe. Ici, même le drapeau français a dû s'adapter au profil de l'étendard batave. Zoetemelk n'a pas seulement gagné à l'Alpe, il a remporté le Tour. Et Henny Kuiper, lui, n'a pas eu cette chance. Jaloux? Joop était le meilleur coureur que moi. Il est grand champion. Il fait aussi six fois deuxième. Mais l'Alpe d'Huez porte aussi les couleurs de l'Italie. Faustino Coppi, qui est le fils de son père, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Coppi, le nom fait encore briller les yeux aujourd'hui. Le Campionissimo a remporté ici en 1952 ce qui était la toute première arrivée au sommet de l'histoire du Tour. Coppi a tellement marqué les esprits qu'un demi-siècle plus tard, on s'agglutine autour de son fils en quête d'une signature au patronyme légendaire. C'est une chose étrange, parce que moi je n'ai aucun mérite, si ce n'est d'être le fils de Fausto. Mais quand on me demande une signature, je le fais avec plaisir, parce que c'est en souvenir de papa. Et c'est parce qu'elle sait tout ce qu'elle doit au Tour de France que la station de sport d'hiver a voulu honorer aujourd'hui la grande boucle. L'Alpe était déjà une grande station de ski international, mais c'est vrai que le Tour de France lui a donné une dimension extraordinaire, une dimension mondiale. Parce que chaque fois que je rencontre des étrangers, je leur dis je suis le maire de l'Alpe d'Huez, ils me disent « Ah, le Tour de France !» Un tour qui va donc une nouvelle fois aborder demain les célèbres 21 virages de l'ascension devenus le classique par excellence. Il y a deux ans, Lance Armstrong avait établi un nouveau record en gravissant les 14 km d'ascension en 38 minutes. Plus de 21 km heure de moyenne. Il y a là de quoi carrément vous en faire perdre le souffle. Oui, il y aura surtout 219 km aussi demain dans cette étape Salanche-Alpe d'Huez. Ce sera assez énorme. On espère vraiment que Richard Virenque n'a pas d'insulte de son plein gré à l'issue de cette étape, parce que c'est vrai qu'avec Richard Virenque, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Cela dit, nous ne sommes pas loin de Grenoble, et à Grenoble, vous savez ce qui s'est passé? Non, dites-le-moi. Bon, on a attribué le premier maillot jaune, c'était dans quelle année? 1919. Très, très bien, mon petit Laurent. Rapidement, dossard numéro 79. Dossard numéro 79. Normalement, il les connaît tous jusque 150. Bon, évidemment, il y a le stress du direct, Lolo. Mais enfin, allez, le 42. Non, 79, j'ai retrouvé. C'est Sørensen, champion du Danemark, équipier de Hamilton. Vainqueur est le 42. Le 42, c'est...
Bon, vous avez une 15 pour le retrouver. Vérifiez, hein. Faut l'excuser, mais je vais refaire cela tous les samedis, parce que tous les samedis, on a 25 minutes en direct, évidemment, pour repasser en revue toute l'actualité du Tour, toute la semaine du Tour. Laurent, vous me décevez. Bon, premier maillot jaune, c'était Eugène Christophe en 1919 à Grenoble. Pierre Marlet et Théo Matif pour se rappeler de cela. On l'appelait le vieux Gaulois en raison de sa moustache en guidon de vélo. Voici Eugène Christophe du temps de sa splendeur, et le voilà il y a 40 ans. Âgé à l'époque de 78 ans, c'est toujours à vélo qu'il se déplaçait dans Paris. Eugène Christophe est resté dans l'histoire comme le premier coureur ayant revêtu la célèbre tunique d'or, inventée pour désigner le leader du Tour. C'était en 1919, le 19 juillet 1919, j'ai donc pris le premier maillot jaune qui a été créé, n'est-ce pas? Alors forcément, j'étais un petit peu... Là, c'est un peu la risée, parce que le maillot jaune, on m'appelait le petit canari, on m'appelait même le cocu, etc. Qu'est-ce qu'elle va dire Madame Christophe et tout ça. Moi, j'en souriais aussi, et puis qu'est-ce que vous voulez, j'étais premier maillot jaune. C'est pas tout le temps que ça arrive, j'étais très très content d'être tenté du Tour de France. Le jaune avait été choisi parce que c'est sur du papier jaune qu'était imprimé le journal Lotto, organisateur du Tour. Mais, poursuivi par la malchance, Eugène Christophe perdra le maillot jaune dans l'avant-dernière étape au profit de notre compatriote Firmin Lambeau. Firmin Lambeau, originaire de Florennes, est donc le premier coureur à avoir ramené chez lui le maillot jaune. C'est aussi avec Léon Sieur le seul vainqueur wallon du Tour. Eugène Christophe se consolera en étant entré dans l'histoire comme le Poulidor de l'époque. Et ce n'est un secret pour personne que la malchance peut rendre populaire et célèbre. Voilà, on forme une grande équipe. Et alors, Franck Istas et Pierre Merlet sont venus à la rescousse de Laurent Bruvier. Alors, le 242, Pierrot. C'est Michael Bogart, mais c'est quand même Lolo qui nous l'a soufflé. Hein. C'est juste Franck, c'est ça. Ouais. Voilà, demain, grande étape alpestre, encore une fois, Salanches, Alpes d'Huez, excellente soirée. Le JT de la RTBF. À bientôt. Pour la prochaine étape du Tour avec Cofidis. Cinéma. Oh, mon Dieu! Quoi? Regarde là-bas, tu vois? Et ainsi, l'homme aux deux visages doit frapper. Il veut jamais qu'on le voit de près. Moi, je l'ai vu. Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu ne crois pas qu'il devrait y avoir une légende dans le genre? L'homme n'a pas de visage. Réalisé et interprété par Mel Gibson. L'homme sans visage. Ce samedi soir sur la Une. Martini vous souhaite une excellente soirée cinéma. Découvrez la puissance de lavage exceptionnelle des Persil Liquids, disponible dans une nouvelle boîte de rangement. Et maintenant, avec deux liquides gratuits, donc encore plus avantageux. L'humidité partout, sur vos toits, sur vos façades. Elle imprègne votre maison toute l'année et la dégrade en profondeur. Alors, avant que votre maison ne finisse comme une éponge, une seule solution. Rubson. Rubson Invisible protège votre maison contre les intempéries. Vos murs, vos briques resteront 100% imperméables. Votre maison sera comme neuve. Rubson, l'humidité vaincue. Charleroi sous un autre jour. Charleroi, ville verte. Venez goûter au Centaure et à la plénitude de ses parcs et jardins. Participez à ses animations, concerts et festivals. À Charleroi, la convivialité fait partie de la vie quotidienne. À l'univers du sommeil, solde. Les meilleures marques en literie. À l'univers du sommeil, trois magasins, XL, Link B et Ternat. Dis-moi, dis-moi, le nom d'un animal du monde sauvage des White. Ne confiez pas votre budget au hasard. Salon d'angle panoramique en cuir branco rectifié, 990 euros. Salon Express, mieux, moins cher et sans stress. Il y a un Salon Express près de chez vous. Nous venons casser le marché. V
WC-Net à votre service. Les résidus dans les canalisations, on ne peut pas les nettoyer. Résultat, les odeurs remontent. WC-Net a la solution. WC-Net canalisation. Utilisé une fois par semaine, il élimine tous les résidus. WC-Net canalisation. WC-Net, votre spécialiste. Y'a sexy. Police. Pour 1 demi-euro par jour, appelez tout l'été autant que vous voulez, de base à base. Mesdames, messieurs, bonsoir. Saisissez vos bulletins et venez assister au tirage Loto Joker de ce samedi 12 juillet. Allez-vous ce soir décrocher le gros lot? Dans quelques minutes, vous serez fixé sur le sort de votre billet. En tout cas, vous le savez, de nombreux gains sont à remporter, à tel point que votre tirelire en frissonne déjà le 8. Faites un pied-de-nez à toutes les factures que vous ramassez constamment et gagnez 1 million d'euros avec la bonne combinaison de joker, bien évidemment, le 0. Le 8, le 0, voyons pour le troisième résultat. Alors, les dizaines de mille représentées par le numéro 5. En ce samedi, vos tirages de Joker sont dirigés par le représentant de l'administrateur délégué, M. Joseph-Émile Vandenbos. À la surveillance, nous accueillons Maître Luc Catra, huissier de justice. Le 9. À vos petits papiers, notez bien dans l'ordre le 8, le 0, le 5 et le 9. Sélection de la 5e boule Joker, elle affiche le 0. Changez-vous les idées durant cet été et décrochez un maximum d'euros, de quoi égayer vos longues journées, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Le 8, le 0, le 5, le 9, le 0 et le 0. Les 7 numéros correctement alignés forment une combinaison qui a la bonne idée de vous offrir, si vous la détenez du moins, 1 million d'euros. Bonne chance à vous tous. Le 4, c'est donc le numéro 8 059 004 qui vient de décrocher la belle somme de 1 million d'euros. Sachez que mercredi dernier, les 6 numéros loto n'ont pas été trouvés. Que cela ne tienne, le loto n'en sera que plus riche mercredi prochain, le 16 juillet, puisqu'on ajoutera au gain le report de 526 084 euros et 97 centimes, soit plus de 21 millions de nos anciens francs. Le tout sera bien sûr à répartir entre les gagnants qui détiendront la bonne combinaison, mais si vous êtes seul à obtenir les 6 chiffres loto, vous pourrez glisser dans votre poche 1 million d'euros, donc n'oubliez pas, ce sera déjà mercredi prochain. Le 34 et le 33. Le 10. Les mises loto de ce 12 juillet sont ma foi bien rondelettes puisque le montant s'élève à 7 951 541 euros. Le 28. Le 10, le 28, le 33 et le 34. Voici également le numéro 41. Les vacances sont là, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire grossir vos économies. Jouez pendant votre absence et remplissez donc vos bulletins pour plusieurs tirages. Et qui sait, vous pourrez peut-être prolonger votre repos sous le soleil. Le numéro 12. Le numéro complémentaire que voici, et c'est le 18. Je vous rappelle que ce soir, il fallait donc cocher le 34, le 33, le 10, le 28, le 41 et le 12, et en complémentaire, le numéro 18. Notez encore que c'est après le documentaire Les mystères du corps humain que vous pourrez prendre connaissance des résultats financiers.
Et enfin, si vous désirez consulter les numéros gagnants des tirages, il vous suffit d'appeler la page 691 du Télétexte RTBF. Une excellente fin de soirée, à très bientôt. Aujourd'hui, ciel bleu avec un nuage de temps en temps. Primus. Bonsoir à tous, nous débarquons pour ce bulletin sur les plages de Belgique, de Grèce, de Turquie, de Roumanie et de Bulgarie. Belgique pour commencer, il a fait 21 degrés aujourd'hui, on en aura 24 demain avec toujours quelques nuages et une eau de mer à 18 degrés. Le vent du littoral sera de secteur est et modéré à 3 Beaufort, marée basse à 8 heures environ et marée haute entre 13h30 et 14h. Au sud-est de l'Europe, les températures montent encore de 1 ou 2 degrés avec 35 degrés pour Antalya et l'eau de mer atteint 28 degrés ce dimanche au sud de la Turquie. Ce sont bien les seules températures qui me conviennent pour barboter. A tout à l'heure. Revitalise vos cheveux et hydrate en profondeur chaque fibre. Il laisse vos cheveux beaux, souples et plus doux que jamais. Dove Shampoing, des cheveux hydratés plus doux que jamais. Découvrez l'Easy Peel, l'ouverture sûre et facile des saladières de Sopiquet. Les saladières de Sopiquet, ouvrez l'Easy Peel et dégustez de savoureuses salades riches en thon et en petits légumes soigneusement préparés. Tirez l'Easy Peel et dégustez les saladières de Sopiquet. Il est le plus audacieux voleur des sept mers. C'est mal. Mais le plus grand défi qu'il doit relever est le nouveau membre de son équipage. Dès le 9 juillet au cinéma, Sinbad, la légende des sept mers. Vous n'avez pas dit ça? Oui, à la Maison des Sports Pierremont pour la fête des étudiants avec pochette surprise. Et on a fait une première partie de Chantal Goya. Chantal Goya. C'était dans le thème Lui aux enfants. Uh-huh. Et donc on fait que... Chantal, regardez. Regardez, regardez.